Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode du Donjon de Nullbuck. Nouvel étage. Du loot, tout de suite. Pack de nihilisme, moins 8 de soutien, chance de critique, 3 soins reçus, moins 50. C'est une bague de voleur, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je peux y comprendre qu'on y trouve un certain intérêt, mais... Oula, oula, oula. Doucement avec la caméra, Jean-Mich. Ta-ta-ta-ta-ta. 3 de protec. Ouais, non, mais je crois qu'il a des bottes légendaires, le barbare, non? Parce qu'il manquait plus que le casque. Ah, oui, c'est ça. C'est mon sac. Oui, c'est ça. On est sur du loot pourri, on est sur une bonne vanne de... On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Ah. On prend, c'est quoi? Les secrets des poulets. Ah, enfin. Plus 1 de sprint. Ah, c'est pas fou, j'aurais bien kiffé un mouvement. Le mouvement, c'est cool, ça déboîte, quoi. Bon, y'a rien par là. Hop. Hop, 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 hop. Regardez-moi la belle boîte. Alors, y a de l'or là-dedans? Est-ce qu'il y a de l'or là-dedans? Ouais, deux secondes. Hop. Amulette de Muldor. De la force et de la précision. Un bouclier. Une armure. Voyons voir ça. L'amulette des Muldor. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ça lui donne de l'intelligence et de l'esquive. Attention à mes livres. Elle est la même. Et là... 2 de force, 8 de précision. J'ai des noisettes pour les écureuils. 2 de force, 8 de précision. Qui cela pourrait bien être intéressé? Critique, résistance... plus de force égale plus de dégâts. De la belle qualité. Et ben, je le mets sur mon qui pourrait se revendre un bon prix. Soutien, moins 8. Ouais, tu nous emmerderais un peu, mais... surtout, moins de soins reçus, ça m'embête. Le barbare, pote de premier combat, tu as mieux. Je sais plus ce qu'on avait. Sinon, ça peut exploser. La tunique de coureuse des bois, non, c'est pourri. Oh, c'est de la merde. Ah, oh, c'est ça chier. Ah, oh. Oh, je souffre de nullité. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Bon, c'était nul. C'est long, go, ah, trouver des poulets. Je n'aime pas trop la façon dont ils me regardent. Depuis que tu nous as dit que c'était des changeurs de forme à la solde des démons, je les trouve flippants moi aussi. Arrêtez avec votre délire paranoïaque sur les poulets change forme. Le fameux Zangdar doit être caché parmi eux. Ouvrons l'œil. Au hasard, c'est passé le seul qui serait violet. Vous avez vu? Il y a d'étranges poulets à l'aspect menaçant. Mais on t'écoute plus. Qui me parle d'ailleurs? Là, nous sommes à l'épicentre de la vision astrale. L'énergie cosmique qui émane de ce poulet violet est très puissante. Au secours! Bon sang, un poulet qui parle. Personne ne va me croire à Loubet. Après les gobelins qui parlent, tout est possible. Attention, les autres poulets se font menaçants. Ouais, vous tabassez les volailles maudites. Oh. C'est une guerre contre des poulets? Alors, dites-moi que c'est une guerre cocasse contre des poulets, parce que c'est pas le cas, je vais rentrer en dépression. Hop. Hop. On va mettre le nain au milieu. Une elfe au milieu. Une magicienne ici. Et un voleur. Poulet de la luxure. Poulet de la paresse. Poulet de l'envie. Il y a des poulets chelous de tout et n'importe quoi. D'accord. Euh...
Le prochain à jouer. Et celui-là, mais je peux pas l'atteindre. Ok. Peut-être un que je peux dégommer. Je peux pas. Admettons. Bien joué, ma fille. Ok. C'est pas assez proche. Allons-y. Toga, voilà. Un côté éliminé. Qu'on va partir sur une petite grenade. Et pour lancer ma petite grenade, faut que je vienne ici. Voilà. Très bien. Impeccable. Voilà. Mon barbare, ce qui serait formidable, ça serait que tu me pulvérises tous ces chicken McNuggets de friture de poulet. Let's go! Tac, et tu viens me caquer celui-là. Le prochain jouet, c'est lui. Ensuite, c'est eux. Ouais, mais ils sont frigorifiés. Lui aussi, il est frigorifié. Ce qui me laisse tout le temps de venir me positionner ici. Let's go. Mon ogre. Si je fais ça. Ouais, si je fais ça. 55-75. 68-89. Bon, vas-y. Un PV. Bon, il est renversé. Des boîtes, des poneys. Oh, il est pas mort. Masse de poulet qui va jouer, du coup. Oh, vas-y, légion de poulet que je vais me prendre dans la face. Que c'est quand même que des poulets du chaos, mais bon. Ça va, ça franchement ça va, ça se passe pour l'instant. Ah non, c'est premier coup sur le poulet. Le premier coup est pour moi. Ah, j'ai pris mon 26 quand même. Hein. C'est un poulet ultra énervé. Oui. Bah, tu n'importe quel poulet, vas-y. C'est touché, c'est touché. Ok. Juste tape-le, tue-le en fait. Parfait. Wow, full PEV. Joli, hein. Joli. On s'en fout, hein, c'est des poulets. Non, mais sérieusement. Non, mais... Est-ce que vraiment... Est-ce qu'on en est vraiment là, quoi, dans notre vie? Est-ce qu'on en est vraiment là dans notre vie de poulet? Euh...
Oui, viens ici, colle-leur un barrage d'acier dans la face. Voilà. Mets-leur une torgnole façon Gurdil. Torgnole façon Gurdil. Hop, tu te places dans son dos. Eh, j'aurais pas les deux. Et celui qui m'intéresse, c'est celui-là, parce que c'est le plus costaud. J'ai perdu un point de vie au moins. Mon dieu. Putain, je perds des points de vie. Je meurs, au secours. Tu croyais quoi qu'un an c'est pas bougé ? J'ai perdu 3 en parade partielle. Oh, il gère le poulet. Hein. Bon, celui-là est déjà mort. Tuons-le. Hein. Vite, il faut soigner quelqu'un de blessé. Qui est le plus blessé dans mon crew ? Vas-y, la sorcière. Ok. Tu auras pas les deux. Il se prendra une torgnole, mais il mourra pas. Putain, ils sont hyper puissants, hein. Le poulet bleu, là. Il est énervé, hein. Oh, il régène et tout, hein. Putain, incroyable, hein. Je pense que ça vaut le coup de l'empoisonner. Franchement, j'aurais même pu t'avancer encore un peu. Prends ça, Bobiette. Toi, le poulet, là. Est-ce que juste un coup de hache, c'est pas suffisant? Un coup de hache, c'est suffisant. Dans le genou. Tac. Qui a perdu des points de vie? 3 PV, là. Ah, je suis trop loin du ranger. Vite, je me rapproche du ranger. Vite, 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 faut sauver un ranger. Avant qu'il ne meure. Ouf, c'est bon, j'ai sauvé le ranger. J'ai sauvé le ranger de Loubet. Elle a perdu un point de vie. Le nain a perdu plein de points de vie. Ah, le barbare a perdu des masses de PV, quoi. Vite, il faut sauver le barbare. Serre les dents. Une flèche mortelle. Ah, ça suffit pas pour le tuer. Bon, bah tant pis. Échec critique même. Putain, c'est pas facile quand il bouge. C'est pas facile quand il bouge. À ce qu'il paraît. Ah. Bon, bah mince, hein. J'ai vaincu tous les poulets du chaos. Donne-moi une égratignure. Comment je les ai défoncés? Presque tout seul. Oh, j'ai plus rien. Bon bah vas-y, sur le glaive, hein. Le nain gagne un niveau en plus. Et moi je vous jure qu'il les a défoncés tout seul. Hein. J'ai vu personne faire aussi bien. Le barbare. Sortez-moi de là, imbécile. Ce poulet nous apostrophe. C'est encore un démon changeur de forme. Il faut le détruire. Pas du tout, je suis le maître. Je suis Zangdar, aventurier sans cervelle.
Il a reconnu l'elfe. Quoi? Mais encore vous? Je connais cette voix. Pas moyen de mener une petite rébellion démoniaque tranquille. Il faut tout faire soi-même. C'est Guignax. Misère, il était censé avoir foutu le camp. Les sept poulets démoniaques étaient mon alarme pour surveiller Zangdar, juste au cas où. Pour qui me prenez-vous? Pour un gros loser qui a la trouille qu'on lui savate encore la tronche. Montre-toi, mauviette. À votre guise. Et maintenant, je vais déchirer vos âmes et les éparpiller dans les dimensions de l'espace et du temps. Ouais, et ta sœur a conduit un tank à vapeur. Ah bon? Ce démon a une sœur dans l'armée des nains? C'est une métaphore. Ça donne des maladies, les métaphores. Pas du tout, ça bouffe des patates. Vous dites n'importe quoi. C'était une allégorie. Et Guignax est toujours là. C'est qui, Guignax? Je vous déteste! Vous êtes insupportable! Voici des siècles que vous tournez en rond dans ce donjon pourri! Et que vous renaissez encore et encore! Mais cette fois, c'est fini! Je vais vous anéantir! Il y a un sceptre avec un dévin. C'est encore la lourdeur là. Non mais t'as compris quoi, viens ici, un barbare au vide. Un nain sur le bas-côté. Un ogre par là. Une magicienne ici. Une elfe juste là. Et un voleur ici. Assez! Cette fois je vais vous surtuer! C'est comme la mort en pire! Ouais. Je pense pas que ce soit très utile. Blindage du groupe. Bouclier! Ouais, commence à bouger, hein, vas-y. T'approches pas trop près. C'est considéré comme un mur. Ah, rien à foutre de ton mur. Nous servons la malchance. Fumble est défoireux. Je vais prendre mon temps. C'est cool d'avoir des portées infinies, hein. Bah, j'aimerais bien. Vous terminez. Et ça continue encore et encore. Hop. Plus là. Je ne suis pas là. C'est super, je peux pas bouger. Je peux pas le lancer plus loin que ça. Et ben... Ouais, va pour le mage. Bien vu ma gueule.
Vas-y, vas-y, viens ici. Tac, 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 tac. Ah, 1000 PV, quoi. Ça va, le mage, il est pas du tout craqué. Bon, ça va que c'est un démon, hein. Je commence à pas être bien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas bien. Ah, je vais me soigner moi-même. Par le pouvoir de nos ancestrales. Putain, les zones de frappe qu'ils ont quand même. Ah, moins 8 quoi. Et il se régale un peu trop. Il n'est plus intact ce crétin. Mais c'est pas grave, on va essayer de le sonner. Si je le sonne, je gagne du temps. Boum. Résistance physique, c'est dommage. Tu bouges plus. Ah, il est immunisé. Donc, c'est pas très gentil ça. Je peux me déplacer, intéressant, intéressant, intéressant. Je pourrais genre par exemple venir jusque là. Ou jusque là, tant pis pour l'attaque. Même pas mal. J'ai quand même un peu. Quand même un peu, mais Les démons, c'est méchant. Mais je peux faire mon bon. Voilà. Je peux par exemple parfaitement faire ça. Voilà, et ça c'est pas mal. Torgnole façon Gurdy, je leur fais rien. Torgnole façon Gurdy. Mais bon, ils sont sonnés. Et tac, 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 tac. Je vais voir ces images à la con. Ouais, lui en plus, je peux pas le renverser. Ça casse la couille. Ouais, je peux toujours l'envoyer faire voir chez son pote. Ah oui, bon bah il a bougé. Voilà, dans tes genoux. Et ça continue encore et encore. D'accord, d'accord. Oh, tu la vois ma capuche? Mais ces effets de temps pourri, ils sont en train de nous défoncer, quoi. Mmh. Tiens. Hein. Ne fait que commencer. Ça poutre. C'est grave chaud. C'est grave chaud, il crée une image de lui à chaque tour, c'est quand même fort sport. Hop, ça je voudrais le tuer parce que... Ouais, putain, super. Réveille-toi, c'est pas des poules de Loubet qu'on a en face de nous. Bah ouais, super. Bah moi contre lui, scotché toute la journée. On est pas mal.
Bah, je peux juste lui faire une attaque de base. Parce qu'avec celle-là, je le tuerai pas. Non, je le tuerai pas. On part sur une attaque de base. Et je le tue pas, il lui reste 2 PV, bien sûr. Quelle pitié, au secours. Barrage d'acier sur vous deux. Ouais, bah calme-moi ton attaque, hein, qu'est-ce que je te dise. 21 au close, quoi. Allez, tabasse-le. Lui, il est presque mort, on va l'achever, hein. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. Mais putain, mais dictam. Hein, excusez-moi. Je voulais dire flûte, ça perd l'hippopète, mais évidemment, c'est ce que vous aviez compris. Il a compris qu'effectivement, j'étais un poil contrarié par leur résistance. Ah. Résultat, leur mâche pourrie est toujours pas mort. Je sais même pas ce qu'ils me font là, leur sablier de ses morts, je sais même pas ce qu'il fait. Faut que je trouve la... Excusez-moi de vous déranger. Hein. Attention. C'est les lâches qui s'en vont. Putain, je me fais arracher beaucoup trop fort. Hop, on va venir ici. On va se claquer. Non, on va rien se claquer. On va garder ça pour un healer. Serre les dents. Qu'est-ce qui se passe ? Tue-moi ce connard, s'il te plaît, par pitié. Mais non. Contre là, un jour, cafard, toujours. Non, mais vas-y, donne-moi. Putain. Au secours. Oui, j'aimerais que tu le poursuives et que tu continues à lui pourrir sa gueule, mais pas vouloir. Dans ta gueule. Évidemment, je le tue pas. Quelle question. Et merde. Évidemment, je perds des points de vie. Quelle question. Bol, aide-moi. Il va se relever. Bon, après tout est sur mon ogre, c'est le plus solide. Plus solide, ça va pas durer très longtemps non plus, mais. Ouf, putain, oh, les dégâts qu'il me met, quoi. J'aurais dû la ramener avant. J'ai traîné. Ouais, maintenant que tu m'as mis ton critique, je vais peut-être pouvoir te tuer. Ah, c'était un paladin avec deux actions. C'est un turbo champion. Super. Je peux pas soigner mon troll, bah ils vont le buter. Enfin, je peux pas soigner mon ogre. Donc ils vont le tuer. Ouais.
qui vont se faire un kiff. Hein. Si je peux venir à côté et lui filer une fleurette à la con. C'est ça, une étoile empoisonnée. Tu n'es pas empoisonné, tu es enflammé. Oh, la vie de mon voleur, quoi, ce qu'il a pris. Je suis le maître du temps. C'est même pas ce que ça fait, sa merde. Il me bute tout le monde. Directement une popo au gros. Comme ça on peut combattre. Oui. Essaye de disperser un peu ma troupe pour être un peu moins. Un peu moins gratos. Mais bon, c'est pas évident, hein. Super, maintenant il est sur moi le mec. Super, maintenant si je bouge, je m'en prends une. Merci. Oh, le hasard quoi. Le hasard fait si bien les choses. Si je te tue, je peux en jouer. Voilà, merci. Je peux pas me déplacer sinon je subis ma race de ses morts. Il faut que je disparaisse. Ok. Et j'ai qu'une potion d'endu. Ah, et je n'ai pas. Ok, bah vas-y, potion d'endu. Mais non, attends, boire une potion me fait réapparaître. Cette potion avait un aspect suspect. Oh, la malédiction de Maras. Oh, la malédiction de Maras. Oh, je suis deg. Je suis si dégoûté. Ça fait quand même un sorcier de moins. Ça c'est manque de bol. Ah mais je peux même pas me déplacer. Ok. Je peux rien faire. Il bougera pas. Ça m'intéresse pas. Je peux rien faire. Ah, vas-y, je bois une potion. Mais je me rends rien comme vie, quoi. C'est les meilleures potions du marché. La bière, hein. C'est meilleur. Oh, la pitié, au secours. Ok. Injuste. Ouais, c'est vraiment trop injuste. Donc j'ai quand même bien veillé à ce que mon voleur n'ait aucun objet qui lui enlève de la chance, qui forque de la malchance quoi. Le jeu me pourrit la gueule quoi. Mais bien comme il faut. Hein. Hop. De temps font si mal. Son énergie astrale est très mal peignée.
va crever plus loin. Ah, je peux même pas soigner le vol. Putain. Ça fait une image de différé en moins. Ton image à 2 PV là. On peut le one shot ou pas? Même pas sûr. C'est one shot. Hop. Ah. 92. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, à ce tarif-là? J'ai rien qui peut soigner personne. Ah, fais chier. Hein? Bon, vous m'avez compris, quoi. 1, 2, 3, 4. Oh, ça rentre, ça. Oh, ça, ça rentre. Bon, ça, ça fait un sorcier de merde de moins. Sauf s'il esquive, bien sûr. Il a pas esquivé. Quel brave petit. Il me reste un point de vie. On est super méga large. Ça dégage. C'est qui, Guignax? Voilà. Il va me coucher le gros. C'est esquivé. J'ai besoin que tu me sauves ce gros de la mort. Merci ma grande. N'hésite pas effectivement à te déplacer. Même si vous êtes encore paquet, vous allez encore vous en prendre plein la moule. Coup critique dans le rango. Tir mortel dans ce clip, ok, mais je lui fais rien, donc je vois pas l'intérêt. Le brocoli ça rend des PV. Le brocoli ça rend des PV. J'ai 3 pétés de points de vie à la con. C'est pas grave, on va venir ici. Je vais être obligé d'ignorer le voleur puisque ce n'est pas un healer. Alors je vais claquer tout de suite l'action supplémentaire avant de prendre ma fin de tour. Hop, régénérer le ranger. Toi tu es là, est-ce que un tranche tendon ça rentre, ça m'arrangerait que ça passe bien. Et que tu me fasses pas du je suis immunisé. Tranche tendon, c'est bon il l'a. Il a pris, il a payé sa bonne grosse race. Le voleur peut encore attendre un tour. Prends ton poison. Et il a résisté le saligo. Je recule un peu parce que j'ai pris un peu cher. Si, distance infinie, qu'est-ce qu'on en a carré? Même pas mal! Moins 50 PV. Mais c'est ça, en fait, la seule chance que j'ai de le massacrer, ce con. Moi aussi! C'est de lui bourrer la face. Oh. Ouh là 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 là, on n'est pas large, hein. On n'est pas large, mais on va prendre tout ce qu'on peut lui mettre. Hein. Donc, je vais tomber dans 3-2-1, mais c'est pas grave. Hein. Il a tout esquivé, mais vas-y. Le nain est mort dans un coin. Le gros, il est pas encore mort. 83. Prends ton jambon. Ouais. Non, mais... Ça, je vais le payer. Oh putain, mais quel plaisir! Tu peux pas heal. Tu peux pas heal. Si tu bouges, tu meurs. Bah, tape le gros, là, à qui tu ne fais absolument rien. 19 PV, le gars en a 540, mais qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je suis très d'accord. Mais ici. Si j'aurais bien aimé du coup assommer ce con, mais ça va pas être possible. C'est bon d'être vivant, non?
Et hop, le barbare se dégage. Pas mal plus, baston. Ah, au secours. Je suis le maître du temps. Ah oui, mais là, on est tous morts. Hein. Ah, on est tous morts. Là, faut juste tenir les tours de si la tranche tendon d'actif. Mais je crois que c'est plus actif sur lui. Ah ouais, aïe, ouf, ouf. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, je peux pas en fait. Mais je brûle. Clément. J'ai besoin de toi, mon ami. J'ai besoin de toi. Ah. Tic, tic, tic. Tant pis pour le barbare. Meurs, pourriture. Gagne un niveau. Gagne un niveau. La gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. On est super frais. Je vois pas ce qu'aurait pu mal, plus mal se passer. De la résistance physique, du courage et de la précision. Stylé. Pour le voleur, je suis pas sûr que ce soit top. Et de l'impact magique à 6. Voilà. Non, c'est impossible. Non, vous avez... On t'a bien eu, crevure. Oui, on est les plus forts. Prends ça, espèce de métaphore. Vous êtes naze. Mais vous avez attiré le pouvoir de manque de bol. Non, non. Manque de bol, je peux tout expliquer. C'est un malentendu. Il n'y a pas de rébellion. Tout est en ordre. Je contrôle la situation. Tout est... Sic transit Gloria Mundi. Le maître du donjon, succès déverrouillé, finir le chapitre 8. 6, 8, celui où on est. Celui qu'on vient de boucler. Ah, le savatage de Guignac en bonne et due forme, quoi. Quel plaisir. Oh, ce combat m'a rendu fou. Je suis énervé à un point. Ah, j'ai tout le monde qui a fini par terre. Je crois que personne n'est mort. C'était un sacré combat. Et un sacré donjon. Comment on lui a démonté les clavicules des genoux à ce pantin démoniaque? Franchement, c'était pas une aventure de niveau 1. Il faudra se plaindre à la caisse des donjons. Et faire réévaluer la difficulté. Et avoir des XP en plus. Oui, c'était difficile. J'ai cassé plein de barrettes à cheveux. Et le méchant était très méchant. Mais nous avons triomphé grâce à notre collectif. Oui, un collectif bien commandé par un chef compétent. Kaboum, Guignac. On a gagné la baston parce qu'on était les plus forts. Buvons à Chrome. Que voilà une bien longue phrase pour un barbare. Mais cette victoire laisse néanmoins une impression d'inachevé. Quel rabat-joie ce type. Chapitre 9e. La statuette de Gladolfera. Il a dit quoi, là? On n'est pas censé avoir fini? Par les chaussettes de Xor! La statuette! Fêtant la chute de Guignax à la taverne, nos héros s'alanguissent dans le fond des chopes de bière, oubliant leur quête première. Ah non, mais pas du tout! C'était une petite pause pour étudier une tactique appropriée afin de récupérer la statuette. Ah bon? On a besoin d'une statuette? Oui, la statuette de Gladolfera, qu'il faut reprendre à Zangdar. Zangdar? C'est qui? Ça ressemble à un nom des crèmes à récurer les baignoires. Zangdar. On le saura qu'il est revenu, maître Zangdar. Bon, vous avez bu 6 tournées de bière, je peux vous encaisser? Ah bon? Il est revenu pour laver la baignoire? Apparemment, il était retenu par des démons, mais une bande d'imbéciles l'a libéré. Du coup, il a dissous la coopérative qui gérait le donjon sans lui et a fait écarteler les meneurs par Gérard le Terrible. Ah, c'est pas de bol, mais bon, c'est pas nous.
Il s'est enfermé dans ses appartements au deuxième étage et vaporise tout ce qui l'ennuie. Ah, mais si, je me souviens. C'était ce joli poulet violet qui faisait cocotte. Ah, mais tais-toi. Mais beaucoup de gardes ont été tués aussi par les aventuriers. Il doit être bien seul, ce Zangdar. Ouais, mais c'est un maître sorcier. Il a une protection qui le rend invulnérable. Donc on doit obéir ou partir. Et puis le patron de la taverne a disparu. Du coup, je suis un peu seule, là. Alors, vous payez ? Jamais ! Ah là là ! Mais si, tenez ! Réalisant leur erreur et le caractère transitoire de leur victoire... Oui, parle de transit ! Restez concentrés, c'est bientôt fini. Réalisant la vanité de leur succès, nos aventuriers héroïques décidèrent enfin de prendre le chemin de l'antre de Zangdar pour accomplir leur destin. Ouais, on va lui piquer sa statuette moisie ! Et lui défoncer sa face de sorcier pourri ! Vous de l'âme, Zangdar ! Capoute, commencez ! Et puis on pourra faire des crêpes après. Je peux rester ici pour faire le guet. Bon, avant tout, il nous faut un plan. Bah, on y va et on lui défonce le blair. C'est bien comme plan. Ouais, c'est une bonne stratégie. On te dit que Zangdar est invulnérable. C'est quoi que tu comprends pas? Bon, je pense qu'on peut demander une fois encore l'aide des maîtres des arcanes. Ah là là, mais non! Ils vont nous coûter un pognon de dingue. Ou alors on peut fouiller ses appartements avant de l'affronter directement. Peut-être y trouverons-nous quelques faiblesses. Le deuxième étage doit être accessible maintenant que Guignax a été détruit. On n'a qu'à secouer un de ses proches serviteurs. Il doit bien y en avoir un qui sait s'il existe une faille dans ses défenses. Et au pire, on se sera bien marré. Demandez de l'aide, fouillez, interrogez. Ça laisse quelques options subtiles avant d'aller frapper à sa porte comme des bourrins. Alors, on a pris tarif. On se reposer, ça coûte 400 balles. Non mais sérieux. C'est dans mes veines. La taille de mon groupe, il bouge pas. Mon ogre, il prend pas plus de place. Vous abusez, quoi. Attendez. Bon, faisons un check du matériel. De la résistance, c'est nul. Ça sert à rien. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça peut remplacer... mon premier anneau. Ça colle 6 d'impact magique supplémentaire. Je sais pas. J'aime bien avoir des stats. Normalement, j'aime bien avoir des caracs, je trouve ça fort. Ouais, non, ça me chauffe pas plus que ça, quoi. Du courage, de la précision, de la résistance physique. Qu'est-ce que c'est là ? Ça n'intéresse personne. Si ça sent, c'est mes bottes. T'as tout. Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. Bague de puissance maudite, non. Non. Galak miam miam. Ouais, Galak miam miam. Je suis d'accord. Deux de constite. Alors, je virerai deux de constite. J'aurai un ogre qui jouerait plus vite, qui aurait une meilleure précision et une résistance physique incroyable. Mais ça pourrait aussi aller à mon voleur. Oh, mes poches. Qui a de la force et de la précision. Ça lui donnerait plus de vitesse. Ça va aller sur toi, mon gars. Voilà. Comme ça, je serai un lanceur de crâne professionnel. Ta résistance à la magie, on s'en quart. Hein. On s'en quart, tu tires comme du 1. Impact magique, je pense que c'est que pour les dégâts. Ce qui est d'ailleurs bien dommage. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Pote pourri. Je donne rien. Ah, mais il y a vraiment personne. Tout qui est à chier. Hein. Non, il a raison, c'est de la merde. Putain, on s'est fait encore avoir. Bon, les compétences du nain. Les nains, c'est bien, c'est petit et bourrin. Est soutenu par au moins 2 alliés. Pour un tas de dégâts subis. Soin 30. Ah, il peut s'auto-soigner le nain, quoi. Non, vraiment, c'est insupportable, quoi. Oui, quand j'arrive à toucher un gars. Dégagez les Nazbrok, je suis trop puissant. J'en ai marre qu'ils ratent les gens. Voilà. Problème de nain réglé. Le nain gagne 40 d'endurance supplémentaire. Amélioration de l'attaque standard au corps à corps du nain. Elle afflige à la cible un malus de moins 3 protection pendant un tour. Gagne 8 de parade. Les poneys. J'ai rien d'autre à dire. Ah, il ne peut pas être renversé. Attendez deux secondes.
Il y a quand même quelques petites choses que j'ai oublié de... Hein, de valider en amont. Faut dire, sur le nain, tout est bien. Le nain est formidable. 4 points de vie au niveau, par niveau max. Il va falloir que je l'améliore ça un jour. 27 d'adresse. Ça commence à faire beaucoup. N'avait pas faim à sa furtivité. Je suis assez d'accord. S'il est également empoisonné. S'il est également immobilisé. Je suis d'accord pour ne pas briser sa furtivité. Tant qu'il a 100% de points, il gagne 5% de chance de coup critique et inflige 5% de dégâts en plus. De nouveaux risques à prendre. Attaque, attaque. Alors ça c'est meilleur l'attaque standard au corps à corps. Oui c'est ça, je peux pas l'utiliser avec ma multiple... J'ai 4 attaques puissantes consécutives. Ouais, c'est pas des, considéré comme des attaques de base. Ça, et je vais lui mettre de la constite. Oui, mettre de la constite à un voleur. Et même du courage. Voilà. Notre elfe. Alors, notre elfe, on va passer à 24. 12 de force, ça augmente ses dégâts. C'est quoi les dégâts distance? C'est impact physique. Je sais plus c'est quoi. Ok. Courage est déjà très élevé. Je vais lui mettre exceptionnellement encore une fois un point de constite. Parce que j'en ai marre qu'elle soit nulle. Bien sûr. Un autre malus. Améliore un malus de précision. Une grande variété de tranches tendons. Non mais c'est de la merde. Un tir très puissant à l'arc mais qui a un malus de moins 40 en précision. Ah ouais mais tu mets 300% de dégâts quoi. Moins 30 de précision, moins 30 de précision. Je lui crée un effet tourdi. 300% de dégâts. L'elfe gagne. Ah ouais, il gagne moult charisme. Ah ouais, 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 ouais. Plus 5 en précision, bah on va lui prendre ses 6 points de charisme. Mieux que rien, c'est toujours pas grand chose. Ça tabasse, hein. Ça tabasse. C'est nul. Alors, un coup d'épée. Terrifiant. Ouais, je suis balèze. Monocible, c'est très bien. Surtout en adresse. Taxant d'accord, encore 20% de chance d'être étourdi. Plus affecté par l'affaiblissement quand il perd des points de vie. Gardien. Ah, de plus, attends. De plus, tant qu'il a moins de 50% de ses points de vie, il gagne 5 en impact. Et là, ça fait quoi? N'est plus affaibli d'un. Et gagne 50%. Quand il a 50% de ses points de vie, il gagne 5 en protection. C'est un chier. Ça n'intéresse personne. Il gagne 1% de chance de coup critique. Chance de coup critique sur 100%, c'est nul. C'est nul. Ça c'est bien. Je suis plus fort. Il est plus fort en plus. Plus de force. Plus de courage, plus de constite, plus d'adresse. Voilà. Ma magicienne. La répartition des points était particulièrement difficile. La décision était compliquée. Pas une zone de glace. En fait, ces sorts sont tellement mieux que cela. Guérir les tranches tendons et empoisonné. Oh ouais. Je progresse d'heure en heure. Bah ouais, ouais, ouais. Gagne plus 10 en impact magique, bonus lié à l'intelligence et subit un malus de moins 10 en précision. Gagne 5 en précision, moins 5. Non, non, ah, DPS à tête de mort. De nouvelles compétences. Ouais, ouais, je veux pas le savoir. DPS à tête de mort.
Voilà, c'était mes choix, car c'était notre projet. Mais tout ceci sera pour un autre épisode. Je vous remercie, c'était Knarfanction comme d'habitude Gaming pour le Donjon de